a fait sa thèse sur, sur Khlebnikov. Il avait d'abord choisi Mayakovsky, puis il s'est orienté vers Khlebnikov, qui vous dira pourquoi. Et puis, il a fréquenté l'œuvre de Khlebnikov depuis sa thèse. Et il s'est interrompu pour traduire les 1400 pages de Daniel Harms. Et puis voilà. Et puis voilà. A eu la parole. Oui. Ben, le livre est là. Et donc, Khlebnikov dans la steppe stellaire. D'abord, qui est Khlebnikov? C'est un oiseau rare. En russe, on dit un corbeau blanc. C'est un oiseau kalmouk qui a surgi dans la steppe de Kalmouki, près d'Astrakhan, en bordure de Caspienne, là où la Volga se jette dans cette mer. Et c'est quelqu'un qui écrit en prose, en vers et en russe depuis 1905. Nous sommes les enfants de la steppe, disait sa jeune sœur Vera, la peintre qui a travaillé à Paris avec Van Dongen. Les Kalmouks, ce sont le seul peuple bouddhiste d'Europe, un peuple nomade. Donc, l'enfant Khlebnikov a entendu cette langue mongole. Peut-être a-t-il aussi entendu les chants diphoniques. Il a vu les temples lamaïstes, les houhouls, les couleurs de cette limite d'Europe et d'Orient, et tout ça, c'est dans ses vers et dans ses proses. Et puis aussi, dans la Caspienne, les lotus, donc l'extrême Asie, c'est-à-dire l'Inde, etc., et les bouddhismes, et aussi les oiseaux du Delta, s'il y a une réserve à Astrakhan, qui est une des plus grandes réserves d'oiseaux d'Europe. Son père était ornithologue, et donc l'enfant Victor, car il ne s'appelle pas encore Velimir de son prénom de plume, il a vécu au milieu des oiseaux empaillés, et il fera un pas dans la voie paternelle pour l'abandonner assez tôt. Sa mère est historienne de formation, et un des cousins de la maman, Alexandre Mikhailov, est un des organisateurs de l'organisation Terre et Liberté, membre de la volonté du peuple. Ces jeunes gens qui ne partagent pas l'opinion de Mallarmé, leurs livres, ce sont aussi des bombes réelles. Victor, donc fils de Vladimir, parce qu'en russe, on désigne très souvent les personnages par le prénom et le patronyme. Ainsi, en russe, il n'y a pas besoin de dire Lénine, on dit Vladimir Ilitch, tout le monde sait de qui il s'agit. Donc, Victor Vladimirovitch naît le 28 octobre 1885, la même année que Niels Bohr. Niels Bohr, le taoïste de la physique quantique. Et Khlebnikov mourra le 28 juin 1922. Il est né dans le sud, il mourra dans le nord. La famille, au gré des occupations paternelles, bouge. Ukraine de l'Ouest, Simbirsk, Kazan. Simbirsk, c'est la ville où est né Lénine. C'est sur la Volga. Kazan, c'est la ville des Tatars, qui sont sunnites, avec la tour de Souyembika, la dernière reine tatare, qui est le symbole de la résistance tatare à la colonisation russe sous Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, ça vous dit peut-être rien, c'est contemporain de la Renaissance en Occident. Kazan, c'est aussi l'une des universités les plus agitées de l'Empire, et là, il mathématise. Sous le regard admiratif de son professeur, Vassiliev, qui est un grand spécialiste de l'extraction des racines et autres nombres imaginaires, tels que racine de moins 1. Et pour Khlebnikov, il ne s'agit pas de réaliser l'impossible, il s'agit de tendre vers l'impossible, et l'impossible, c'est racine de moins 1, un nombre imaginaire. Ce Vassiliev est un élève de Lobachevsky, qui a été recteur de l'université de Kazan, mais avant l'arrivée de Khlebnikov. Et Lobachevsky, c'est un des créateurs, avec Bolaï, le Hongrois, et Riemann, l'Allemand, un des créateurs des géométries non euclidiennes. Chez Lobachevsky,
les parallèles se coupent. Chez Riemann, il n'y en a pas, puisque c'est des sphères. À nouveau, qui est Klebnikov? Il est ce qu'il a étudié, à savoir, il le dit, bête, alphabet, nombre, humain, livre, saison, nuit à Astrakhan, nuit en Perse. Je saute, je vais faire une biographie, bien que il est comme tout le monde, il n'en a pas de biographie, mais c'est pour donner quelques repères. 1903, donc il est à Kazan, il y a une manifestation étudiante et il va se retrouver en prison pendant un mois. De cet épisode, il s'en souviendra au début de 1922. Uchastok Velikovich. Это место свидания меня и государства. Государство напоминает, что он все еще существует. Le poste de police, quelle chose admirable. C'est le lieu de rencontre entre moi et l'État. L'État rappelle qu'il continue à exister. 1905, choc de Tsushima. Tsushima, c'est défaite navale en Extrême-Orient. La flotte japonaise, conduite par l'amiral Togo, coule la flotte russe, première défaite d'une grande puissance occidentale. Klebnikov a alors cette réflexion, j'ai voulu trouver une justification aux morts. Donc, il va se lancer dans des calculs numériques et comparer plus tard la guerre de 14 aux croisades avec ce que vous savez. Pétersbourg, il est en 1908 et il s'inscrit à l'université section littérature russe médiévale et littérature sanscrite. Il fréquente alors l'aile gauche des symbolistes et en particulier un monsieur, un poète je pense peu connu, chez nous, qui s'appelle Vyacheslav Ivanov, qui était un poète très érudit, helléniste, et élève de l'historien Mommsen. Et puis en 1908, ce sera sa première publication, La tentation du pêcheur, qui est une lecture, une relecture compressée de La tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Compressé et articulé par des mots valises aux sonorités archaïsantes. Je vous lis un petit passage. Et partout volaient des corbes corvidées au regard de non-existence, et tout l'étang n'était que des creux dans l'épaisseur du vide, et un corbe que silence volait de ci de là sur les sinistres champs vides. Et fut la vérité mensongeantée, et se balançait des nostalgieuses au-dessus du lac des nostalgères, et fut le multiplieur mauvais de la forêt impénétrable, et dans les champs terre pensée, l'épouvante se dressait, et le chant des arcs meurtrier de moi. Le loup, créateur de traces, hurla, il avait vu un cerf ramur pléiade, et tout l'univers était le bec largement ouvert d'un corbeau. Mais du visage de l'univers ne s'effaçait le sourire universilé des forces et le temps ne cessait de tenir sous son bras une béquille noire. 1908, les années 1905 et jusqu'à 14 sont en Russie une période de noire réaction. Donc on peut lire ce petit passage à cette lumière. Je vous lis pas en russe, si? C'est une prose. Hein? Et повсюду летали пустотелые с безбитыми взорами враны, и все сущее было лишь дупло в дебле пустоты. И молчание хвосты вран туда и сюда летал над опустелыми жуткими нивами. И была кривдистая правда, и качались грусточки над озером грустин, и был у ночи пущий зол, и ужас стоял в полях мыслеземных, и пение луков меня убийц. Волк-следотворец завыл, увидел стожаророгого оленя,
И вся вселенная была широко раскрыта клев ворона, но с ее лица не сходила оселенелая улыбка сил, и время не уставало держать под рукой черный костыль. Je vais vous lire aussi quelques poèmes du début, parce que ils ne sont pas dans ce volume, puisque c'est le volume, enfin c'est moi qui l'ai décidé arbitrairement, c'est le volume de la maturité, donc il ne couvre que les textes de 19 à 22, à la mort de Khlebnikov. Alors le premier, on le retrouvera plus tard, si j'ai le temps de le lire, en développé un peu autrement. En russe, ça sonne comme ça. « Бабеоби пелис губы, веоми пелис взоры, пиео пелис брови, лией пелся облик, кзик-зик-зео пела степь. Так, на хосте каких-то соответствий, вне протяжения жило лицо. Vrai, vrai, ouvri, se chantait lèvres. Réogi se chantait regard, Sieo se chantait sourcil, Triei se chantait trait, Chichi Seo se chantait chaîne. Ainsi, sur toile de certaines correspondances, hors étendue, vivait le visage. Le deuxième, il est, le titre est. J'ai choisi une variante parce que le mot a deux sens en russe. Il désigne l'insecte, le criquet, mais il désigne aussi un oiseau qui porte le même nom. En russe, ça s'appelle Кузнечик. Крылышкуя золото письмом тончайших жил, Кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензивер. О, лебедиво, о, озери. Oui. Coursait le temps de l'escridor de ses plus fines veines, un criquet entasse dans l'anse de sa panse, plein de joncs et pensées auprès de la fontaine. Pigne, 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 tonitrua la charbonnière. Ô signe essence, ô donne la lumière. Enfin, pour cette période-là, un poème en rime équivoque. Comme vous le savez, nous avons eu les grands rhétoriqueurs. Ici, ils ont beaucoup pratiqué, Molinet et quelques autres, la rime équivoque. En Russie, c'était cantonné jusqu'à Khlebnikov au genre, disons, comique. Alors, où est-ce qu'il en fait ? Je ne sais pas par quoi commencer, le français ou le russe. Je vais commencer en français. Je vois les constellations. Cancer bélier, et le monde n'est qu'une conque qui en serre, belle alliée, cette perle a l'eau pure, ce par quoi je perds la santé. En un chointement soyeux s'avance un soupir en che. M'apparurent alors vagues et pensées issues de même branche. Par voie lactée, ça et là surgissent des femmes. De banal dictam, la ténèbre s'est repue. En cette nuit aimée, même un sépulcre l'aurait pu. Et le vin vespéral, et vespérales aussi, les femmes tressent cette couronne triomphale de qui je suis le frère infâme. Mais vidne rak vien, и мир лишь рак вен, в которой жемчужиной то, чем не дужен я. В шорох, в свисте шествует стук вроде ча. И тогда мне казались волны и думы родичи. Млечными путями здесь и там возникают женщины. Милой обыденщиной напоена мгла. В эту ночь любить и могила могла. И вечернее зано, и вечерние женщины. Сплетаются в единый венок, которого брат меньше я. Alors après, je vais un peu vite, hein, évidemment. Après, on arrive en décembre 1912, et c'est le manifeste, ça porte pas ce titre,
c'est les journalistes qui ont inventé ça, évidemment, qui est dit des futuristes. En fait, il y a deux groupes, il y a les égaux futuristes et les cubos futuristes. Cubo, vous voyez l'allusion à la peinture. Donc c'est le manifeste des cubos futuristes, ça s'appelle « La gifle au goût public », c'est signé par David Bourlioz, je précise le prénom parce qu'ils sont plusieurs, Alexandre Krouchonik en français, Krouchonik en russe. Il ne s'appelle pas Alexandre, il s'appelle Alexei, mais il est Alexandre dans le manifeste. Vladimir Maïakovski et Victor Klemnikov. Deux thèses. Jeter par-dessus bord du vapeur de la modernité tous les classiques, Tolstoï et les autres. Deuxièmement, nous annonçons la nouvelle beauté future du mot auto-valable, parenthèse, auto-tressé. C'est un deal parce qu'il y en a un qui voulait balancer, ils l'ont balancé d'ailleurs, mais Klemnikov n'était pas d'accord. C'est un poète qui s'appelle Mikhaïl Kouzmine et que Klemnikov considérait comme son magistère. Alors il a dit, mais on ne va pas le jeter par-dessus bord, lui, il est gentil, c'est un tendre, quoi. Alors il a dit, non, mais ne te casse pas la tête, tu signes le truc, et puis après, on s'arrangera. En réalité, ils ne se sont pas arrangés, et donc Klemnikov, tout en n'étant pas d'accord sur ce point, a signé le manifeste. Le mouvement futuriste russe, tel qu'on le nomme, c'est très bref, puisque si on suit Maïakovski, dès 1913, dit-il, le futurisme a pris la Russie à la gorge. Il faut traduire, grâce entre autres au journal, aujourd'hui, en 1913, tout le monde est futuriste. Donc il n'y a plus de pointe. Et puis après, c'est 14, la guerre, les poètes et les peintres suicidés, ceux qui partent au front, etc. Arrivent ensuite les deux temps de 1917, la révolution de février et surtout octobre et la prise de pouvoir par les bolcheviks. 19, c'est le printemps, et Maïakovski, Maïakovski le rencontre, donc à ce moment, au printemps, devant le Bolchoï, Klemnikov a une petite valise à la main, Maïakovski lui dit, vous allez où? Et il dit, je vais en Ukraine, je vais dans le midi, c'est le printemps. Et il part. Il part pour Kharkov. Alors Kharkov, ça a deux côtés, ça a le côté clair. C'est les merveilleuses, elles sont cinq sœurs splendides, les sœurs Siniakov, donc il va chez elles. Et puis, le côté obscur, c'est que Kharkov est l'enjeu d'une rude bataille entre l'armée rouge et l'armée blanche. Et donc, à un moment, Klemnikov, pour échapper, les Blancs ont repris la ville, pour échapper à la conscription, il trouve un seul endroit où on est tranquille, c'est l'hôpital psychiatrique. Et là, de la chance, il tombe sur un psychiatre qui pose la question qu'il fallait poser, à savoir, est-ce que le sujet est dangereux pour la société ou la société est dangereuse pour le sujet? Il conclut, c'est la société qui est dangereuse. Donc, il reste un moment là. Alors, il le fait travailler, il lui fait écrire des textes, tout ça. Et puis, il y a un jeune, tout ça, c'est, enfin, Anfimov, c'est déjà un vieux monsieur, mais il y a plein de jeunes qui vivent. Alors, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui des squats, donc ils réquisitionnent des maisons, ils vivent en communauté là-dedans. Et il y en a un qui est juge d'instruction près du tribunal révolutionnaire. Donc, il a un mandat, il a un pouvoir, il arrive à l'hôpital psychiatrique, il agite son bout de papier, le psychiatre n'emmène pas large, il prend Klemnikov, il l'emmène là-bas. Dans leur commune, ça s'appelait une commune. Et là, ils passent de longues nuits à discuter, parce que Andrievski, il s'appelle, est quelqu'un qui connaît très bien la poésie futuriste. Voilà. Donc, c'est Kharkov. Après Kharkov, une fois que les Rouges l'ont repris, Klemnikov, dans l'année 1919, il faut quand même que je le dise, il a eu deux typhus dans l'année. Donc il n'est pas dans une forme splendide. Il vit dans le dénuement. Alors quand on veut faire lyrique, on le qualifie de poète errant. Quand on veut faire prose, on dit c'est un SDF. Ce qu'il est. Bah oui. Donc, je vais vite. Fin 21, alors après il va à Bakou, c'est le pétrole, hein.
C'est le pétrole, c'est les guèbres, c'est-à-dire les descendants de Zarathoustra, c'est les feux sacrés en haut de la ville. Et de Bakou, il va en Iran, dans la province nord sur la Caspienne, là, une province qui s'appelle Gilan, où il y a un mouvement dirigé par un mollah, mais pas un mollah du type que nous avons actuellement, qui dirige une insurrection armée, donc une révolution, qui tourne fiasco parce que les soviétiques interviennent d'une manière assez stupide, puisqu'ils veulent bolcheviser un pays où la religion, en particulier les mollahs, sont très respectés. Donc Klemnikov fait partie de cette expédition délirante, qui est la dernière tentative d'exportation de la révolution bolchevique à proximité. Voilà. Et puis il retourne à Bakou, ensuite il va au Caucase à Piatigorsk. Piatigorsk, c'est une ville d'eau. C'est là où Lermontov, le poète du 19e, a été, on va dire, exécuté en duel. Après ça, après Piatigorsk, il revient sur Moscou. Il met un mois pour rentrer à Moscou, fin décembre 21, dans un wagon chauffé, mais rempli d'épileptiques. Et à Moscou, les Mayakovsky briques lui l'habillent, parce qu'il est dans un état invraisemblable. Je vous passe les détails. Et au bout d'un moment, là, c'est la rupture avec Mayakovsky. Parce qu'il s'aperçoit que Mayakovsky est parti, disons, ailleurs, et que Klemnikov, lui, est parti dans un autre ailleurs. Donc, ils ne peuvent plus s'entendre. Et à ce moment-là, il rencontre quelqu'un qu'il a connu, en particulier en 1912. Ils se sont même un peu... Ils ont failli se battre en duel. C'est Mandelstam, aussi Mandelstam. Et là... Ils discutent, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais enfin, ils se sont rencontrés. Et ensuite, il part, c'est une expédition idiote, il part dans le nord de la Russie, au mois de... enfin, avril. En Russie, à cette période-là, il ne faut pas voyager, surtout à cette époque, parce que c'est la fonte des neiges. Donc, les routes sont impraticables, il est malade, etc. Finalement, il meurt dans le nord, puisque selon lui, le nord, c'est de là que vient la mort. Et voilà. Et ensuite, ces cendres seront transférées dans les années 60 au cimetière Novodevitchi à Moscou. Voilà pour le bref ancrage. Maintenant, ce dont je voudrais parler pour un peu éclairer Klemnikov, c'est en premier lieu la langue. Klemnikov, on peut dire qu'il a un programme de recherche. Dans la langue. C'est certes pas une linguistique, mais enfin, c'est quelque chose qui a à voir avec les sciences galiléennes. Il l'expose en 1919 dans l'introduction à ses œuvres qui n'ont pas vu le jour. Si je m'y retrouve. Trouver, sans briser le cercle des racines, la pierre magique qui permettra de transformer tous les mots slaves les uns dans les autres, c'est-à-dire de fusionner les mots slaves librement, telle est mon attitude première à l'égard des mots. C'est le mot autotressé, samavité, hors du quotidien et des usages courants. Considérant que les racines ne sont qu'un fantôme cachant les cordes de l'alphabet, trouver l'unité globale des langues du monde, constituée de segments alphabétiques, telle est mon attitude seconde à l'égard du mot. C'est la voie qui mène au langage d'Outram, Zaumni, universel. Le programme porte le nom de création de mots, Slovotvorchestvo, et il se déploie dès 1912 dans le champ de ce qu'il appelle la déclinaison interne, qui anticipe étonnamment ce qu'on appelle en linguistique la commutation phonologique. Donc, le système klemnikovien, en ce qui concerne ces éléments minimaux, il est axé sur les consonnes. Mais ici, dans cette commutation, c'est la voyelle qui fait sens. Elle fait sens dans les deux acceptions du mot, puisque c'est la direction, le mouvement qui articule l'opposition. Ainsi, Bobr, le castor, s'oppose à Babr, le tigre, en tant que chassé par le chasseur.
Berg, la fuite, s'oppose à Borg, Dieu et Dieu, terrible et terrifiant. Brick, le taureau, s'oppose à Bock, le côté, le flanc, en tant que ce dernier reçoit le coup de corne. Bref, une conception pointant déjà le caractère physique, géométrique et même cinétique de la langue, un énergone selon la configuration humboldtienne. Parenthèse jacobsonienne. C'est vers cette époque que Jacobson, donc les années 1912, qui s'intéresse, après l'article de Bloch, le grand poète symboliste, comme on dit, sur les incantations des sexes, c'est à ce moment qu'il fait la connaissance de Klemnikov. Il lui apporte un recueil, le recueil de Sakharov, que Klemnikov utilisera en collage dans un poème qui s'appelle « La nuit en Galicie ». En 21, Jacobson publie la poésie russe très moderne, Vladimir Klemnikov, première esquisse. Il écrit « L'euphonie opère non avec les sons, mais avec les phonèmes, c'est-à-dire des notions acoustiques susceptibles d'être associées à des notions signifiantes. » Et en 1928, au congrès de la Haye, ce sera la proposition 22 avec Karchevski et Trubetskoy qui est au fondement de ce qu'on appelle la phonologie. Donc il y a un nuage là entre la science linguistique et la pratique de Klemnikov. Klemnikov qui pose en axiome « faisons comme si n'existait que la langue russe ». Voilà. Donc il travaille à partir de cette thèse forte, parce que c'est une contrainte très intéressante, surtout aujourd'hui, concernant la langue française. Le zaoum, comme on l'appelle, mais en fait on devrait dire la zaoum, parce que le mot est féminin, c'est composé de za, qui veut dire au-delà, et oum, c'est très embêtant à traduire, parce que ça veut dire l'intelligence, l'esprit. Bon. Pour des raisons structurelles que m'a imposé le champ d'écriture de Klemnikov, j'ai traduit la chose par langue d'outre-âme. Sinon, ça ne marchait pas dans un poème, il fallait quelque chose de bref, qui consonne avec le russe oum. Alors, ce fameux aoum, j'en parle parce qu'il est habituel de l'associer aux aoum, mais c'est une erreur monumentale, évidemment, parce que le pape, l'apôtre du zaoum, c'est Kutchonir. Kutchonir, alors lui, oui, il pratique, je dirais, conséquemment le zaoum. Mais pour Klemnikov, c'est une langue. C'est un moment de langue parmi d'autres, et ce moment peut être traduit en langue intelligible. D'ailleurs, il le fait dans un texte. Il écrit 2-3 lignes en zaoum, et puis il donne la traduction et inversement. En d'autres termes, on peut, si on suit cette langue perdue qui a nom ok, on peut transformer le troubar clos, la poésie close, fermée, difficile, en troubar-le, poésie de légèreté, aisée, claire. Et Klemnikov, contrairement à Kutchonir, tient les deux bouts de la chose. Alors maintenant, la langue stellaire. La langue stellaire, c'est les phonèmes consonantiques sémantisés. Le son initial du mot gouverne le sens du mot. Évidemment, c'est un arbitraire, c'est lui qui décide ça. Vous en faites ce que vous voulez. Un des phonèmes essentiels pour lui, c'est elle. Pourquoi ? Parce qu'en russe, ça commence le mot amour qui se dit loubov. Donc, moi, j'ai traduit l'amour pour avoir mon L. Donc, c'est le L de Lénine en particulier, de Lepnik et quelques autres. Le L donc, de l'alphabet stellaire, moi, je verrais ainsi penché du côté troubadour, du côté de l'amour, la poésie, bref, de l'amour de la langue, c'est-à-dire, chez Klemnikov, de la beauté et du savoir. Amour qui se situe, à suivre Jean-Claude Milner, sous le double signe de la mémoire et de la liberté.
Mémoire, bien sûr, mémoire de la langue. Quand on le lit, il les a lus, les poètes qui l'ont précédé. Donc c'est non seulement ceux du 19e, ceux du 18e, mais aussi le fondement de la poésie russe, c'est d'ailleurs en vers libre, un texte médiéval qui s'appelle « Le dit de l'ost d'Igor »,« Slova o polku igrivé ». J'ajouterais que cet amour produit un effet de surprise dans la langue qui nous fait dire, comme les Japonais du Monono Aware, « Oh ». Alors maintenant, rêve, révolution. Parce qu'il y a eu 17. Ça fait un siècle. Je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps. Je ne pensais pas à cet anniversaire. Alors, d'abord ceci. Le mot révolution, ce n'est pas du russe. Ça a été injecté. Et je doute que les masses paysannes d'alors aient pu le comprendre, de même qu'elles ne pouvaient saisir le sens du mot communiste ou futuriste. Par contre, bolchevique, oui, parce que c'est du russe. Bolchevique, c'est bolché, ça veut dire plus. Donc, c'est les majoritaires, les gens de la majorité. Ceci dit, une révolution doit être faite, certes, mais elle doit aussi être dite, et dite avec des configurations verbales, jamais encore, oui, ayant la fraîcheur des commencements. Car on peut ici penser à Heine. Au commencement était le rossignol, c'est-à-dire la canzo, c'est-à-dire le chant. D'autre part, le mot savant « revolutia » ne recouvre pas les emplois du mot français. En particulier, il ne peut pas être utilisé pour une révolution astronomique. Ce n'est pas la même trajectoire du mot. Alors qu'en français, le retour d'un astre à son point de départ est le sens premier. Alors, selon Dahl, qui sait tout, comme Littré, une révolution... Alors, Dahl, c'est un dictionnaire très intéressant, l'équivalent du Littré en russe, avec des mots dialectaux et tout ça. Fin du 19e, comme Littré. Donc, on a là un point de repère intéressant. Et pour lui, une révolution, c'est quoi? C'est le renversement violent de la vie civile. Et un révolutionnaire, il tend à être assimilé dans la langue à un faiseur de troubles, un troublier. Donc c'est très dépréciatif. Nous trouvons chez Klemnikov ce que d'aucuns appellent des utopies, tant d'architecture que de langue, de société toujours à venir, etc. Moi, je préfère le vocable de rêve au pluriel. Ce sont là méditations sur des formes possibles, mais non encore advenu. Klemnikov a ouvert un espace qui ne s'est pas refermé. Cet espace, c'est le livre, un et ouvert, donc en opposition aux évangiles, puisque le Messie, traduisons l'avenir, est venu. Conclusion, l'histoire est close. Dans une autre tradition, le Messie, il est toujours à venir. Et même à advenir. Donc, Klemnikov ne participe pas aux vociférations futuristes. Il n'est pas très bavard quand on le fait lire, il commence à lire un de ses poèmes et puis il s'arrête en disant etc., etc. Parce qu'il avait un problème à résoudre, il l'a résolu, il est passé à autre chose. Et on ne lui donnait jamais les épreuves à corriger, parce qu'il refaisait un nouveau texte sur les épreuves. C'est-à-dire qu'il travaillait constamment, de manière cyclique et en montage. Alors, il ne participe pas aux vociférations futuristes, avec les peintures l'urage de tête, etc. Il est la figure quasi muette du mouvement. Et enfin, il n'a jamais employé le mot importé futuriste. Il lui préfère un mot inventé, impossible de langue, à partir du futur du verbe « être », et du présent du verbe éveiller. Ça donne Budet Lianin. C'est un mot valise qui évoque avenir, éveil et Bouddha, puisque Bouddha, vous le savez, c'est éveillé. Et puis il est de la Sept-Kalmouk, donc il sait ce que c'est. Après bien des tâtonnements, je suis parvenu à ce vocable éveilleur-dad-venir. Pour lui, la visée du poète n'est pas de construire le monde futur,
mais par la parole, par l'écrit, l'éveiller, c'est-à-dire le faire venir à nous, comme dans la forêt où un interlocuteur invisible, nous crions « Ohé ». Qu'est-ce qu'un éveilleur d'advenir en 1914 ? C'est Pouchkine traversant les explosions, par extension, c'est la jeune génération de poètes qu'attend le toujours increvable assassin, celui de Pouchkine, le dénommé Dantès. Mais un éveilleur d'advenir, c'est aussi, structurellement, de par le mot en russe, le citoyen d'un pays qui, sous forme de questions, d'interrogations, surgit tel un rêve de langue aux yeux bleus comme ceux de Klemnikov. Pays à devenir, et peuple des éveilleurs d'advenir, et peuple aux yeux bleus des éveilleurs d'advenir, adviendras-tu ? Et rêve de lui, et mes rêves de lui. Strana будет ли, будешь ли ты, и народ будет ли он, и голубоглазый народ будет он, будешь ли ты, и грезы о нем, и мои грезы о нем. On comprend que la révolution était désirée, qu'elle est, telle qu'elle s'est faite, satisfait à la demande, est une autre question. Programme de recherche, disais-je, j'ai parlé de la création de mots, j'ajouterai qu'elle est explosion du silence de la langue, des couches sourdes muettes de la langue, à se souvenir qu'en vieux russe, langue, yzik, a aussi le sens de peuple. On conçoit que l'explosion linguistique est partie liée aux déflagrations historiques, à savoir, historiquement, aux jacqueries groupant russes, bashkir, kalmouk, que sténographient les noms récurrents de Pougatchev pour le XVIIIe siècle. Pougatch en russe, c'est l'épouvantail, ça fait peur. Et surtout, d'un contemporain de Spinoza, Racine, pour le XVIIe siècle. Ce dernier étant de plus lié à Astrakhan et à l'Iran, à tel point que Klemnikov écrira dans la trompette de Golmoula « Je suis un Racine à l'envers ». J'ajouterai là, pour ce topic, le nom d'Arnaud Daniel, de Ribérac. « Je suis Arnaud Kamaslaura ». Et chasse l'œuvre à le bout et n'a dit contre Souberne. Je suis Arnaud qui amasse le vent et chasse le lièvre avec le bœuf et nage contre le courant. Et Klemnikov, il fait comme Arnaud Daniel, il nage contre. J'aurais dû commencer peut-être par ce paradoxe. Klemnikov parcourt l'espace Russie, une bonne partie de l'Empire, avec ses multiples peuples et langues, langues peuples, que la langue médiévale entrelaçait. Poser la langue 1, puis le livre 1, le russe ignore l'article, implique une immersion dans la langue une et multiple, langue qui serait, comme Deleuze le disait du peuple, jamais donnée, sans cesse à venir et à devenir. Bolchevique. Octobre 17, c'est de notoriété, c'est la prise du pouvoir par les bolcheviques. Klemnikov n'eût pratiquement pas des vocables marxistes-léninistes. Une occurrence de prolétaire, pas de mention du mot fétiche révolution avec majuscule, ignorance du terme dialectique, etc. C'est sans doute pas par ignorance ou mépris, mais de structure. Ce n'est généralement pas chez lui une écriture frontale, mais plutôt comme chez Mizoguchi au cinéma, une écriture de l'image suggérée ou détournée. Et puis, ne l'oublions pas, Klemnikov opère, c'est sa définition, exclusivement en langue russe. Ainsi, internationale est transcrite en « l'entre les nations », en russe, évidemment. Pensée hérétique. Les tsars et les ennemis du tsar, c'est la même chose, car ils se situent dans le même espace. Disons, ils obéissent aux coordonnées cartésiennes. Si on prend le mot bolchevique, il s'oppose à menchevique, comme majorité à minorité. Mais si on trace une diagonale qui n'est pas dans le plan, dans l'axe des coordonnées, on trouve un autre mot qui obéit aux règles morphologiques du russe, le volchevique, l'homme du vouloir libre.
Position quasi-brechtienne, position critique, face à quoi ? Face à la torture et les exécutions non publiques pratiquées par la Tchéka, et surtout, ça il n'a pas digéré, l'exécution sans jugement de toute la famille impériale. Могила царей Урал, где кровью царей руки свои замарал эль этих дней, крикнув «Ура!» La tombe des arts, l'Oural, où le L de ces années a souillé ses mains du sang des tsars en criant « Hourra !» La prise de pouvoir a eu lieu, le siècle a eu lieu, les yeux sont dessilés. Très tôt, de manière légère et implacable, Klebnikov pose son diagnostic. Ce n'est pas cela que nous espérions, que nous attendions. J'ai combien de temps ? Le temps de lire. Bon, par exemple, mais je ne vais pas développer parce que j'en finirai pas, il parle de l'écrasement des prolétaires de Kronstadt dans le poème Perquisition nocturne, Perquisition de nuit, et de l'écrasement par les armes et les gaz des paysans insurgés des terres noires. Et il est le seul, à ma connaissance, de parler et des tortures à Kharkov pratiquées par la Tchéka et de ces deux écrasements, d'un côté les prolétaires, de l'autre côté les paysans. Bon. En avril 17, Lénine arrive à Petrograd et il avance ses thèses qui s'appellent les thèses d'avril. Klebnikov aussi avance la sienne qui se formule ainsi à propos de l'hélium, rayon lumineux du monde, l'univers comme création de verre. Le 21 avril 17, à Kharkov, il déploie un appel des présidents du globe terrestre, dont le drapeau est tantôt noir, tantôt et surtout couleur de ciel. C'est l'étendard de l'impouvoir, sans pouvoir, le sans pouvoir, l'impouvoir, des Svorot. En vert, transpercé par l'éclair rouge, l'étendard bleu de l'impouvoir, l'étendard des aubes vantées, des soleils des matins, est dressé et se déploie au-dessus de la terre. Le voici, mes amis, le gouvernement du globe terrestre. Je passe en prose. Pour arriver à Mayakovsky, par contraste, si je le retrouve. Enfin, Mayakovsky, en gros, dans un poème consacré à la mort de Lénine, donc c'est un peu plus tard, consacré à Lénine et à la Révolution, parle d'une révolution rapide et joyeuse. Alors, ce n'est pas du tout l'idée de Klebnikov, c'est plutôt douloureux, cette révolution. Ce n'est pas, c'est pas une révolution de lumière, mais chez lui, c'est une écriture de lumière. Non pas vitesse des automobiles, non pas vitesse machinique, mais vitesse de l'écriture. C'est-à-dire, si on suit Deleuze, encore une fois, les caractéristiques de l'éthique de Spinoza que Klebnikov a lu en russe et sans doute en latin très tôt. Mais ici, ça serait un Spinoza tempéré, un Spinoza qui aurait fait une méchante rencontre, une de celles qui affectent notre puissance de vie, c'est-à-dire le théâtre tout de cruauté de la guerre civile. Je ne résiste pas quand même à vous lire le final de Mayakovsky dans Vladimir Ilitch Lénine. Vive la révolution joyeuse et rapide. Armée des prolétaires, dresse-toi en ordre. Vive la révolution, joyeuse et rapide, c'est l'unique grande guerre de toutes celles qu'a connue l'histoire. Alors, je crois que Gilbert Lecomte aurait ricané, lui qui interprétait ainsi le fameux homme au couteau entre les dents,
le prolétariat ne rigole pas. Je passe sur Révolution encore et j'en arrive à ceci. Donc il ne la nomme pas, mais il en parle. Pour lui, la révolution, ce serait comme un rêve qui secoue l'univers, et ce, des protéines jusqu'aux étoiles. La conclusion donc s'impose, octobre ne suffit pas, octobre bolchevique ne suffit pas, russe, encore un effort. Pour dire un événement inouï, il faut une langue encore jamais entendue. Entrer dans le corps des lettres, c'est-à-dire sémantiser les phonèmes. L'espace résonne à travers l'alphabet. L'alphabet, l'espace comme géométrie des significations. Ainsi, elle signifie propagation des ondes les plus basses sur la surface la plus large, transversale au point qui se meut. Disparition des dimensions de hauteur lors de la croissance des dimensions de largeur. Pour le volume donné, hauteur infiniment petite, pour les deux autres axes, infiniment grand. Passage du corps à trois dimensions à un corps à deux dimensions. Voir l'histoire. Les oiseaux battent des ailes de bas en haut, de haut en bas, comme les vies humaines et les états. Un coup deux, un coup trois. Battement qui évoque celui du yin et du yang. C'est le Tao. Khlebnikov ne se préoccupe pas des lendemains qui chantent ni de ceux qui déchantent. Il déploie un système simple évoquant le système de la pensée chinoise classique, mais réduit l'alternance du pair et de l'impair à celle du 2 et du 3. Je résume sa théorie des nombres qu'il a appliquée à l'histoire, disons, universelle, aux états, aux hommes, aux batailles, etc. Concrètement, le minimum requis, deux événements. S'ils sont régis par le 2, ils sont de même nature. S'ils sont régis par le 3, ils sont de nature contraire. Le 2 sténographie un espace illimité, le 3 un espace clos. C'est ainsi. Alors, dans la tradition, dans la croyance révolutionnaire, le mot révolution implique un autre mot qui est l'isyntrique, qu'on le veuille ou non, c'est violence. On peut la lire, cette intrication, chez Mirabeau, les révolutions ne sont pas des jeux d'enfants, à Mao, la révolution n'est pas un dîner de gala, en passant par Lénine ou Trotsky, là on hésite sur la paternité de la phrase, impossible de faire la révolution comme la nôtre en gant blanc. Variante du trivial, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Maintenant, le mot prolétaire. Alors, prolétaire en russe, c'est pareil, c'est pas un mot russe. Et en russe, fin du 19e, ça n'a pas le sens que nous lui accordons. C'est un paysan sans terre, un sans maison ou un sans terre, un sans-abri. Bref, c'est un parasite dans la langue russe, un prolétaire. Je m'y perds. Mais Khlebnikov use positivement des dépréciatifs. Ainsi, dans la société rêvée, dans son grand poème L'accord-monde, les démunis, les claquenants, en un mot le lumpenprolétariat, sont présents, soit sous le mode de la nostalgie, soit sous celui de l'affirmation brutale du vouloir libre. Là où les ciels sont fusillés par les seins des étoiles, comme la poitrine du dernier Romanov, le vagabond des pensées, l'ami des chenapans, reforgera à neuf la constellation. Et comme les bagues qui marient les derniers rois et le billot, passés dans l'air nostalgique, gueux, dément et vaurien. Il dit Roem Zios Rastriel Nibes, quand Groud последнего Romanova, Бродяга дум и друг повес перекует созвездие заново. И будто песни обручальные последних королей и плахи, носитесь в воздухе печальные ракли, безумцы и галахи.
Le seul emploi qu'il fasse du mot, c'est en 19, où il divise les États du mot prolétaire, l'emploi du mot prolétaire, en États des oppresseurs et États des asservis. Et où il dit ceci, « Tant que les prolétaires n'ont pas pris le pouvoir dans tous les États, on peut diviser les États en États prolétaires et États bourgeois. Aux États opprimés appartiennent les grands peuples du continent mère, Astsu, c'est-à-dire Chine, Inde, Perse, Russie, Siam, Afghanistan. » Voilà sa conclusion. Et donc, moi, je vais conclure, après, je vais vous lire. Donc, pour moi, Klemnikov, il a réussi à faire ce à quoi le pouvoir révolutionnaire a failli, donner à la révolution une langue végétale et proliférante, toute de vitesse et de lumière, langue de phonèmes, toute de consonnes traversées d'espace, langue de toutes les étoiles errantes, langue stellaire, donc, disons-le, langue inutile, puisque dans les bêtes périssent certaines belles possibilités, comme dans le dit de l'ost d'Igor, inséré dans un livre d'or, l'or de l'incendie de Moscou. Je zirh pogibayut kakiyto prekrasnye vozmozhnosti, kak vpisanny v chasoslov slovo polku Igoreve во время пожара Москвы. Cette langue, elle serait la langue de cette révolution-là. Elle aurait pu. Langue que les révolutionnaires, murés dans leur savoir, n'ont pas entendue. Voix solitaire. Toujours encore à lire, toujours encore à venir. Moi, je vais lire en musique. Je vous emmène à Bakou, 1er septembre 1920. Востоком стал с глазами Маяковского, с когтями песен на Баку, а я опять торчу, как ось Маяковского, на сходе народов в Баку. Гонец детей их нет, но будут. Чтоб клюнуть молотом по чуду, я есть, я был, я буду. L'Orient s'est dressé, il a les yeux de Maïakovski. Il porte à la ceinture les griffes du champ. À l'Assemblée des peuples à Bakou, à nouveau, je fais tâche, comme l'axe de Minkowski. Messagers des enfants, ils ne sont pas, mais ils seront. Coup de bec, marteau, au miracle, je suis, je fus, je serai. Toujours à Bakou, c'est l'Ashura, le grand rituel des chiites. Шарсен Варсен, и мусульмане ударом кулака поют на книгах загорелых грудей, и версты черных глаз, и черный шелк кудрей младенца, как много ночей юга, железо, стук степей. Шах Хусейн, Хах Хусейн, et les musulmans chantent, leurs poings frappant les livres de leur poitrine hâlée, et des verstes d'yeux noirs, et la soie noire des boucles de l'enfant, quelles sont nombreuses les nuits du sud, le bruit de fer des chaînes. C'est un passage d'un long poème qui est un portrait et donc qui renvoie au texte du début.
Pain noir dans la neige, pain noir au-dessus de la mer, oiseau noir sur les pins, ce sont les cils. Soleil blanc, lueur blanche, fardeau de la lune noire, ce sont les yeux. Un papillon d'or s'est posé sur la crête haute du déluge d'or, de la vague d'or, c'est le visage. Un arbre sous les embruns. La vague d'or du déluge d'or a bouillonné de centaines de gouttelettes, a foncé sur la pique de l'abîme d'or. Le papillon d'or s'est posé doucement sur lui, se reposer, sur la crête d'or des mers, de la vague bouillonnante. C'est le visage. C'est la mer azur qui apprenait auprès de l'or à se soulever, à retomber, à bouillonner, à se défaire en fils d'or, en gouttelettes d'or, en boucles d'or, de la mer d'or, fondre en gouttelettes d'or sur le sable marin près des coquillages de la mer. Чорні сосни снігу, чорні сосни над морем, чорні птиці на соснах. Це різниці. Біле сонце, біле зарево, чорного місяця ноша. Это глаза. Золотая бабочка присела на гребен высокий золотого потопа, золотой волны. Это лицо. Брызгами дерева золотая волна золотого потопа сотнями брызг закипела, набежала на кручу золотой пучины. Золотая бабочка тихо присела на ней отдохнуть на гребен морей золотой волны закипевшей. От Баку и до Бомбея, за Визант и за Багдад, Мирзабабом Виндербея бьет торжественный набат. Ныне Бакунина, ныне Баку. De Bakou jusqu'à Bombay, par-delà Byzance et Bagdad, un tocsin triomphal bat par Mirzabab contre Enver Bey, l'aujourd'hui de Bakounine, aujourd'hui est à Bakou. C'est plus fort en Russie. Je ne peux pas le faire. Ça, c'est méchant. La langue est la langue et la politique. Больше падежей искусственных умерших солнц, больше вольщи в мертвые очи. Это изник, узник себя, большевик, лоб булыгою, книгой Ильиных столетий, бел и смел, и левик, и лавал, гребеса с собесами, трупеса с трапесами, и лует тропы и трупы, нети и дес, нети видес, и бессильны волосы летежи, и не нужны одежд хрустежи. Это вольшак сломал шаг, волосами дыша, замолчал, задушил, божествующий рев, божествующий крик, долоем не вытер беднец пыл потолка. Это жизни уа, гроба ау, гопак торжествующих ток, поставить итог и того, и этого смог смерти бог в свинцовый воя рок. Encore plus de déclinaisons des soleils morts artificiels. Encore plus de voulcherie dans les yeux morts. C'est le prisonnier de soi, le voulchevik qui a surgi, le front comme un pavé, comme le livre des siècles sableté. Blanc et hardi, le sabletique sabletait. Ciel pulture avec soie pulture, cadavre pulture avec chemin pulture. Il sablote chemin et cadavre, néance des marches pulture, néance des visio pulture. Et impuissant, les cheveux tournoyeux,
Inutile le croustilleux des vêtements, c'est le voule chaud respirant par les cheveux qui a brisé le pas qui s'est tu, a étranglé le rugissement divinitant, le cri divinitant. Par son abat, le pauvrier n'a pas essuyé la poussière du plafond. C'est le cri de nouveau-né de la vie, le cri en écho du cercueil, le gopak des toges triomphantes, faire la somme de tout cela. Tout ceci, seul l'a pu, le dieu de la mort soufflant dans sa corne de plomb. Dans chaque mot tonnant, nous pouvons reconnaître, comme dans un boa rebu, la corne d'un cerf qui, ce mot viole et avale, et du silence de qui il se nourrit. Voici le mot bolchévique, sous lui le silence sonore, bolchévique. Le bolchévique, c'est plus bolcho, plus que qui. Le vouche, c'est le vouloir libre, c'est plus de vouloir libre. Sous le mot bolchévique, voilà celui qui se tait, écrasé par lui contre la terre. Chaque mot s'appuie sur le silence de son adversaire. В каждом громком слове, как в тучном удаве рог оленя, мы можем узнать, кого оно насилует и пожирает, чем молчанин питается. Вот слово «большевик». Под ним лежит звуковое молчание «большевик». Большевик больше. Кого больше? Больше более воли. Вот кто молчит из-под слова «большевик», придавленный им к земле. Каждое слово опирается на молчание своего противника. Le poème suivant, c'est sur la Tchéka. Pour comprendre la chute, il fait allusion à la prunelle de l'œil. C'est une torture non attestée, c'est-à-dire qu'il a condensé dans l'énucléation, les tortures qui étaient pratiquées par un dénommé Sayenko à Kharkov. Ça dit ceci. Ça plonge dans la mer de mort, dans la mer de mort, comme un chouka, la tchéka, dans les caves, les greniers, les salons, les taudis, enchaînés, enchaînés, des montagnes de cadavres bolchévisés. Comme un chouka, la tchéka va jeter ses pattes pourpres, plonger dans la mer de mort, puiser les gémissements de mort et serrera les corps fatigués dans des draps de terre, enveloppera les cadavres des morts et apaisera les cadavres avec un oreiller d'argile noire et enfoncera de longs clous sous les ongles cyanosés. La mer pleure, la mer hurle. Nous avons traversé les mers et les steppes des années, nous avons rêvé de la liberté et nos enfants seront témoins. Cette mort et ses chaînes seraient la couronne du vainqueur. Qui racontera, qui croira aux montagnes de cadavres du matin quand ne restent que les traces des pieds dans les cimetières où le destin blanc creuse les fosses? Qui reconnaîtra, qui croira à ce nouveau légume, ce nouveau fruit, la prunelle de l'œil? В море мора, точно чайка через чайка, то в подвале, в чердаке-то, то в гостиной, то в халупе заковала, заковала большевистских горы трупов. Точно чайка через чайка, то опустит лапы алые, в море смерти окунется, стонов смерти зачерпнет, то в простыне земляные обовьет тело усталые, трупы мертвых совернет и подушкой черной глины успокоит мертвецов, и под когти бледно-синые гвозди длинные вобьет. Море плачет, море воет. Мы прошли моря и степи. Годы, годы мы мечтали о свободе. И свидетель наши дети, разве эти смерти цепи победители венок? Кто расскажет, кто поверит в горе трупов по утрам, где следы от мертвых ног на кладбище, где гроба
роет белая судьба. Кто узнает, кто поверит в новый овощ, новый плод, яблоко глазное? Все тупо молились мне, каждое утро ползли по одежде, каждое утро я казнил их, слушая трески, но они появлялись вновь спокойным прибоем. Мой белый божественный мозг я отдал России тебе. Будь мной, будь Хлебниковым, свои вбивал в ум народа и оси. Сделал я свайную хату, мы, будетляне. Все это делал как нищий, как вор, повсюду проклятый людьми. Les poux obstinément m'envoyaient leurs prières. Chaque matin, ils couraient sur mes vêtements. Chaque matin, je les mettais à mort, écoutant les craquements, mais ils réapparaissaient dans un ressac tranquille. Mon divin cerveau blanc, je l'ai donné à toi, Russie. Deviens-moi, sois Klebnikov. J'ai enfoncé des pieux dans l'esprit du peuple et des axes. J'ai construit cette chaumine sur pilotis, nous, les éveilleurs d'advenir. Tout cela, je l'ai fait comme un mendiant, comme un voleur, partout maudit par les hommes. Deux encore. Avec les crocs des épidémies, je démontrais le vieil édifice des peuples. Avec l'encre des maladies, je corrigerai le manuscrit, la feuille humaine du manuscrit. Avec les grappins des pestes après l'incendie, je choisirai les poutres et les pilotis des peuples pour la nouvelle charpente d'une nouvelle isba. Avec la scie fine de la phtisie, je façonnerai un nouveau bâtiment. Je scierai un nouveau peuple avec la scie grossière du typhus. J'arracherai les clous des murs pour que se délite le jeu, le grand jeu qui tantôt prend pour bague ce soleil vôtre, tantôt regarde à travers le verre des larmes d'un petit chien. Все тупо молились мне, каждое утро ползли по одежде, каждое утро я казнил их, слушая трески, но они появлялись снова спокойным прибоем. Мой белый божественный мозг я отдал России тебе. Будь мной, будь Хлебниковым, свои вбивал в ум народа и оси, сделал я свайную хату, мы будетляне. Все это дело как нищий, как вор, всюду проклятый людьми. Alors celui sur la peste. Баграми моров буду разбирать старое строение народов. Чернилами хворей буду исправлять черновик, человеческий листок рукописи. Ключами чум после пожара буду выбирать бревна из своих народов для нового сруба, новой избы. Тонкие пилы чахотки буду вытачивать новые здания. Выпилю новый народ грубой пилой сыпняка. Выдерну гвозди из стен,
чтобы рассыпалась я, великая я, то надевающая песнями ваше это солнце, то смотрящий через стекло слез собачонки. Et je voudrais terminer sur Histrion solitaire, qui parle de Tsarskoï, qui commence par Tsarskoï, qui associe Tsarskoï Selo, que j'ai traduit par la ville des Tsars, à Akhmatov. Tsarskoï Selo, c'est à côté de Leningrad, ce qu'on appelait Leningrad, qu'on réappelle aujourd'hui Pétersbourg, et qui est la ville de la poésie, puisque Pouchkine allait là au lycée, que Anienski, un poète symboliste très estimé là-bas, y a enseigné, et que Goumilev, puisqu'il s'agit de Goumilev, qu'en russe on articule Goumilov, qui était le mari d'Akhmatova, a fait ses études à Tsarskoï Selo. Donc le début est crypté, si on ne sait pas ça, on ne peut pas comprendre de qui il s'agit. Sauf qu'il y a les larmes d'Akhmatova, elle est en train de pleurer son mari, Goumilov, Nikolaï Goumilov, qui a été fusillé avec 60 personnes, accusé d'avoir participé à un complot qui, nous le savons maintenant, a été entièrement fabriqué par la Tchéka. Donc, le poème s'appelle « Histrion solitaire ». J'aime bien terminer sur ce poème parce qu'il y a quelqu'un que nous aimions bien, qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelle Armand Gatti, Dante Sauveur Gatti, et qui aimait beaucoup ce poème, en particulier le final. Donc, Histrion solitaire, 1921. Après le 1er septembre 21, parce que c'est à cette date que la presse a fait mention de l'exécution de ces gens qui avaient participé au... Ça s'appelle l'affaire Tagentsev. Et pendant que sur la ville des Tsars coulaient le chant et les larmes d'Akhmatova, moi, dévidant les chevaux de la magicienne, comme un cadavre somnolent, je me traînais dans le désert où l'impossibilité agonisait, histrion fatigué, fonçant, tête baissée. Et pendant ce temps, le front frisé du taureau souterrain dans des cavernes sombres mâchait et mangeait dans le sang les hommes dans la fumée de menaces indécentes. Et enveloppé par le vouloir libre de la lune, comme un qui erre le soir dans un manteau de sommeil, en rêve je sautais au-dessus des abîmes et avançais de rocher en rocher. Aveugle, j'avançais jusqu'à ce que le vent de la liberté me fasse bouger et me frappe de sa pluie oblique. Et j'ai enlevé la tête de taureau des chairs et de l'os puissant et je l'ai posée près du mur. Comme le guerrier de la vérité, je l'ai secoué au-dessus du monde. Regardez, la voilà. Voilà le front frisé pour lequel avant les foules brûlaient. Et avec horreur, j'ai compris que j'étais invisible à quiconque, qu'il fallait semer des yeux, que le semeur Dieu devait venir. И пока над царским селом лилось пение слезы Ахматовой, я моток волшебницы разматывая, как сонный труп влачился по пустыне, где умирала невозможность, усталый лицедей шагая напролом. А между тем курчавое чело подземного быка в пещерах темных кроваво чавкало и кушало людей в дыму угроз нескромных. И волей месяца окутан, как в сонный плащ вечерний странник, во сне над пропастями прыгал и шел с утес на утес. Слепой я шел пока. Меня свободный ветер двигал и бил косым дождем.
и бычью голову я снял с могучих мяс и кости и у стены поставил. Как войне стены я ее потрясал над миром. Смотрите, вот она, вот-то курчавое чело, которому пылали раньше толпы. И с ужасом я понял, что я никем не виден, что нужно сеять очи, что должен сеять очей идти. Спасибо.